papier. Salvador venait de froisser le papier d'emballage de son jambon beurre et de le jeter au fond de la poubelle qu'il gardait près de son siège. Le vent tourbillonnait. Il hurlait et agitait, ou plutôt secouait tout ce qui pouvait l'être. Les vagues, les pins et les tamaris, les bâches du restaurant, les cheveux qu'il me restait, le tissu de mon pantalon autour de mes jambes. La tramontagne était encore plus puissante que dans mes souvenirs et me poussait vers l'entrée de l'hôtel. L'ensemble occupait tout un angle sur la promenade maritime. Face à la mer, la salle du restaurant et du café. Dehors, un groupe d'hommes et de femmes discutaient, un verre à la main, malgré le vent violent et la nuit froide. Le restaurant et le café étaient éclairés. Je voyais les tables avec le couvert dressé pour le repas du soir. Personne n'était encore venu s'asseoir. Devant la porte de l'hôtel qui donnait sur la rue perpendiculaire à la mer, plus abritée du vent, j'ai hésité. Quelque chose me retenait. J'ai regardé à travers la porte vitrée, encadrée de bois marron clair. Le hall d'accueil était vide. J'ai poussé la porte, je suis entré. Une odeur de cuisine m'a pris au nez, riche et pleine d'huile d'olive. Mon ventre gargouillait, j'avais faim. Je n'avais pas mangé depuis le matin. J'aurais voulu m'attabler, commander du poisson, des pommes de terre cuites au four qui baignent dans l'huile, du vin rude d'Espagne, des olives et du pain. Et pour dessert, du fromage au miel. Tamaris, mentalement, j'ai fait le menu. Sable. Mais derrière le comptoir est apparue une femme. Moustache, jambon beurre.